bootcamp, en fait, on a tout de suite formé des groupes en fonction de nos personnalités. Et ce qui a été top, c'est qu'on est accompagné par des coachs ou des facilitateurs pour nous apprendre à pousser notre idée jusqu'au bout pour mener un projet à bien. Alors, les apprentissages de cette semaine, le premier, ce serait le travail en équipe. S'organiser, travailler ensemble, générer de la cohésion. Le deuxième point et apprentissage, c'est d'appliquer et de travailler avec une méthode et d'entrer dans un processus avec des canevas. Et puis le troisième point, et non des moindres, c'est de rester centré utilisateur, de bien comprendre les besoins de son utilisateur pour aller à la solution. Une équipe performante pour nous, c'est une équipe où il y a de la confiance, on s'écoute, on se laisse parler, on va d'abord réfléchir individuellement à des idées, puis ensuite on va toutes les mettre en commun, donc brainstormer vraiment entre nous. Après on a l'oser dire, c'est important. Ouais, on va se dire les choses, on va s'écouter, on est dans un cercle de confiance où il n'y a aucun tabou et on peut tout se dire. Et là, c'est là où on va vraiment porter de l'importance sur la co-responsabilité. Donc on va vraiment chacun se donner une responsabilité sur une tâche qui est différente et propre à chacun, tout en pour autant continuer à s'aider les uns les autres. On va travailler sur l'expérience utilisateur, où là justement on va s'informer, tester, écouter des feedbacks de personnes et on va en retirer toutes les grandes guidelines pour faire le travail. Et enfin, on va vraiment se focaliser donc sur les résultats et pour ça, on va prendre le temps de vraiment analyser donc les besoins pour apporter les meilleures réponses justement pour améliorer l'expérience utilisateur. Voilà, donc tout ça c'est sur cette boîte.